Donc le roi Merlin, pas, oubliez pas que ça fait 5 ans que je suis en France. Quand j'ai lancé avec Laurent, non, je ne connaissais pas le roi Merlin. D'accord. Et on parlait, juste avant, on parlait des spectacles. Du coup, je me suis dit, bon, c'est une nouvelle comédie musicale. Tu vois, c'est sur le roi Merlin. Dis-moi si c'est bien. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. Le partenaire avec qui vous avez préféré danser, bim, vous balancez un nom. Allez hop. Ah, j'en ai plusieurs. Mmh. Bah oui, moi aussi. Moi j'adorais vraiment tout le monde. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non. C'est différent. Bon, préféré, je pense que préféré, mais déjà mes gagnants. Ouais, bah oui, il y en a déjà eu 4 quand même. Ouais. Ouais. Préféré des gagnants. Mais préféré des... C'est complètement différent. C'est complètement différent. J'avais une super complicité avec Ryan. Louis, c'était un danseur extraordinaire. Ah ouais. Clément, on a passé à 7, 3 mois ensemble. Du coup, on est devenus des super, super amis. Laurent aussi. Laurent, on se voit tout le temps. Du coup... D'ailleurs. Ouais. C'est pas vrai. Il y a Mestre qui a balancé quelque chose. C'est par là. Un dos. Petite anecdote sur Denitsa. C'était durant ma saison de Danse avec les Stars en 2016. C'était à la fin d'une répétition, Denitsa me dit « Lo, tu fais quoi maintenant? Tu rentres chez toi ?» Je lui dis « Non, non, je vais faire un tour, je vais aller à Le Roi Merlin. » Elle me dit « Le Roi Merlin? Ah, ah oui. Tu me diras si elle est bien cette comédie musicale. » Ah oui. Bon bah voilà, gros bisous Dédé. Fallait que je la raconte celle-là. Gros bisous, bisous. Laurent Mestre préféré, il saute dans de la liste. C'est fini. C'est une humoriste. Je vais au Burger King. J'ai adoré son dernier spectacle. Donc le roi Merlin. N'oubliez pas que ça fait 5 ans que je suis en France. J'ai lancé avec Laurent. Non, je ne connaissais pas le roi Merlin. D'accord. Et on parlait juste avant, on parlait des spectacles. Du coup, je me suis dit, bon, c'est une nouvelle comédie musicale. Tu vois que c'est sur le roi Merlin. Dis-moi si c'est bien. Moi, j'ai préféré Katsurama par contre. Katsurama. C'est pas mal du tout. Mais en même temps, tu parles super bien quand même pour une fille qui habite.